Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo unboxing et j'ai envie de vous présenter un film de requins. Des requins qui font un barrage. Youpi! En fait, ils voulaient faire une reconversion et donc du coup les castors les ont pris en stage. Je crois pas que ça soit trop crédible. Mais en tout cas, c'est vrai. Laissez-moi vous présenter le DVD version canadienne sous pochette brillante de Dame Sharks. Ce que j'ai dit, c'est totalement vrai. Hein. Les requins, ils font un barrage avec des cadavres. Bon, avec du bois, mais aussi avec des cadavres. Sympa. Ça veut clairement dire ça. Hein. Dame, shark, requin, barrage. Hein. C'est clairement ça la traduction. Hein. Voilà. En tout cas, je suis super content parce que... Ça, déjà, juste le film Dame Sharks, je crois qu'il n'existe pas d'autre version du film en support physique, si je me trompe pas. Si je me trompe, dites-moi en commentaire, hein, mais vu qu'il y a 400 vues sur mes vidéos, je pense que personne pourra me dire le contraire en soi. Il n'existe que cette version canadienne, du coup. Et ce DVD est disponible uniquement, ou était disponible uniquement, dans les Walmart au Canada. Et de trouver ça sur eBay avec la pochette brillante, parce que c'est ça que je voulais en fait, la pochette brillante, c'était ça le plus important pour moi. Le DVD, c'est banal, je m'en foutais, enfin Dame Shark, juste au cours, c'était incroyable, mais cette pochette là... Cette maudite pochette insane qui brille là. Que quand tu la regardes, tu es en mode... Oh bon, il n'y a pas d'effets spéciaux, du coup, c'est moche, mais voilà. À vous de juger mon jeu d'acteur. Et donc du coup, ouais, cette pochette, elle est insane. Enfin, elle brille, c'est incroyable. Vous, peut-être, vous êtes en mode... Bah, ouais, mais c'est nul, hein, c'est juste une pochette. Voilà. Non, mais moi, j'adore. Voilà, tout. S'il y a une pochette en plus, moi, je prends. Clairement, c'est un truc qui a été littéralement designé, imprimé et collé pour que ça représente une pochette à ce tel ou tel DVD. C'est pas pour rien. Donc, voilà. Donc, une pochette qui a été print littéralement en brillance pour Dame Sharks. Mais moi, mais je te donne ma carte bleue. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ah, vraiment, cette teinte de couleur bleu ciel, tout ça... Incroyable, vraiment, je l'adore cette couleur. Et puis, comme je suis quelqu'un de bien, vous voyez ça, ce requin là, pour la jaquette de devant. Vous voyez ce requin? Ceci est la photo originale. Ouais, je l'ai retrouvée. J'ai dû faire un essai gratuit pour télécharger la photo sur 7000 sur 5000 pixels. Voilà, donc du coup, il fallait vite que j'enlève hein, ma carte bleue pour pas que ça prélève le mois après. Ah bah oui, évidemment, je suis un malade mental, moi. Ah oui, hein, voilà, voilà, c'est le shooting original de cette photo qui a été prise dans un aquarium et c'est un requin taureau, voilà. C'était le petit cadeau. J'espère que ça vous a plu hein, et que vous apprenez des choses. Voilà. Du coup, Dame Sharks, très belle, vraiment, jaquette de devant, sincèrement, avec la pochette qui brille, vraiment insane. Voilà. Magnifique. La police d'écriture sympa, il fait destroy, tout ça, avec une petite morsure de sang, là, et un point d'exclamation. Voilà. Et ensuite, en bas, il y a une phrase d'accroche. There's monitors ready give a damn. Qui veut dire, littéralement, ces mangeurs d'hommes sont vraiment en train de nous faire un barrage. Je suis mort. XD, PTDR, lol. Non, magnifique. Je vais quand même vous montrer le DVD en lui-même. Hein. Hop. Qui est beaucoup moins saturé dans les couleurs. C'est un petit peu plus fade. Mais reste toujours aussi joli. Voilà, Dame Sharks. Concrètement, je préfère avec la pochette. Bon, je vous montre un petit peu sans et avec la pochette. Voilà. Le côté, du coup, Dame Sharks. Voilà, on retrouve le requin en haut. Le titre, voilà, Dame Sharks. Et puis en bas, le logo DVD Videos et
une boîte de production qui a également été sur Piranaconda, qui s'appelle Anchor Bay Entertainment. Voilà, je crois, hein, sur Piranaconda, il me semble. Voilà. Et puis le derrière, très sympa. Aussi, j'aime bien, j'aime bien. Donc il y a le code barre en haut. Pas très important, je sais pas pourquoi je le dis. Du coup, on a une grosse image là du film, avec un requin qui surgit au-dessus d'un bateau. Voilà, des images du film, là on a le résumé. Bull Shark Are Huge and Unpredictable Predators. Ok, ouais. Non, sympa, sympa, j'aime bien, c'est bien designé. Voilà, voilà. Alors, petite anecdote, savez-vous qu'une actrice de ce Dame Sharks joue la mère du personnage principal dans le film Five Nights at Freddy's de Blumhouse? Et non, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. C'est vrai. C'est l'actrice principale de ce film. Voilà. Elle s'appelle Jessica Blackmore. Blackmore, ouais. Jessica Blackmore. Et bien, cette Jessica Blackmore joue la mère du personnage principal dans le film Five Nights at Freddy's. Et je suis sûr que vous le savez pas, ça. Et il n'y a que moi qui peux le savoir, ça. Et ouais, mon gars. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Hein? Freddy Fazbear, là, tu vas voir, il va te défoncer. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, bref. Donc, du coup, j'étais en train de dire quoi? Les caractéristiques. Voilà, les caractéristiques du DVD, du coup. Alors, rapprochons-nous. Hop là, hop là. Alors, en couleur, 83 minutes, not rated, donc c'est pas, comment on dit, not rated, ah, c'est pas classé, digital, Dolby Digital 5.1, en anglais, avec, attends, c'est quoi, English subtitle for, ok, il y a de l'anglais en sous-titres pour les malentendants, des sous-titres également en espagnol et le format anamorphique widescreen presentation 1.78.1. Voilà. Et c'est évidemment région 1. Voilà, parmi les zones dans le monde. Voilà, c'est écrit ici, petit logo, région 1. Voilà, voilà. Je vais vous montrer un petit peu la pochette. Donc évidemment, il y a le trou pour pouvoir scanner quand vous sortez avec Dame Sharks chez Walmart au Canada. Voilà, et puis ça brille, waouh, voilà. Shiny, 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 puis le côté, voilà, ça brille, ça brille, ça brille, que c'est beau, ah, que c'est beau. Ah oui, non, moi je fantasme sur ça, moi. Ah putain, non, j'aurais pas dû dire ça, c'est tellement mal interprété. Voilà, et du coup, le disque, hop là. Ah mon dieu, non, pas ça. Alors du coup, nous avons le disque ici, Dame Sharks, avec un effet du coup, no print, il n'y a pas de print, c'est directement la couleur et tout simplement la matière du disque, voilà, qui brille du coup, avec ses effets tout orange, bleu, vert, rainbow, waouh, on ne serait pas sur la... Comment on dit déjà ? La course arc-en-ciel de Mario Kart, oui. Oula, j'ai pris de la drogue ou quoi. Dame Sharks, du coup, en noir. Voilà, voilà. Sympa. Très banal, mais sympa. Et puis ça, que j'aime pas, hein, évidemment. Hein, vous savez, hein, je l'avais dit dans la précédente vidéo unboxing, avec la Playseat 3. Ouais. Alors, il écrit quoi? This case may not be recycled in your area. Attends, quoi? Donc t'es en train de me dire qu'il y a un trou pour faire chier, mais t'es en train de me dire que ce plastique, du coup, n'est pas recyclable. Dans ma zone. Dans ma zone. Donc c'est-à-dire en soi, dans la zone 1, au Canada. Bizarre. Bref. Et puis là, je vois que c'est du coup un boîtier qu'ils ont utilisé pour Dame Sharks, qui est tout simplement un boîtier où on peut tout simplement insérer des supports supplémentaires pour insérer d'autres disques. Vous savez, c'est des pages, dans des coffrets Sharknado, j'en ai, où tu les branches là, et c'est tout simplement des supports de disques en plus, quand il y a trop de disques, hein, tout simplement. Ok, ok, bon, ben voilà, Dame Sharks, magnifique. Moi, concrètement, j'aime bien le film, bon, même s'il y a des effets spéciaux un peu... voilà, voilà, mais concrètement, vu la rareté du truc, bon, concrètement, moi, j'aime beaucoup, hein, déjà, le support physique de Dame Sharks, moi, c'est... une de mes pépites préférées, sincèrement, en termes beauté visuelle. Ah non, sincèrement, comment vous pouvez dire que ça c'est moche?
Juste la jaquette, la pochette, tout ça, prenez pas en compte le film. Le film, c'est un peu de la D. Même si concrètement, j'ai un petit peu du cœur pour ce film. Parce que concrètement, j'aime bien les pupettes qu'ils ont réalisées pour le film, les petites marionnettes, tout ça, de requins. Il y a des images sur internet qui traînent un peu partout. Voilà, de ce film-là. Voilà, Dumb Sharks. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du DVD. Si vous avez vu le film, voilà, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, mettre un gros pouce bleu comme ce requin. Voilà, sinon il va vous dévorer. Sachez que les requins taureaux, normalement, sont inoffensifs. Voilà, normalement. Je m'en souviens plus. Bref, bah, bon, si vous l'emmerdez, il va peut-être vous lâcher un petit croc. Voilà. Faut pas le faire chier quand même, hein, parce que c'est. Ça charge, hein. Requin, taureau, vous l'avez. Bon, allez, j'ai pris de la drogue, ça se voit. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Et si vous êtes intéressé, bah, les requins vous prendront en stage pour faire du coup des barrages avec les castors. Voilà, ça sera un joli feat quand même. Bon, allez. J'en peux plus, ça se voit. J'enchaîne des vidéos unboxing depuis tellement longtemps, j'en peux plus. Allez, salut.